Bonjour. S'il est un auteur dont je n'ai jamais évoqué le nom ni conté de nouvelles, c'est bien celui-ci. Il s'agit d'un écrivain irlandais, né en 1854 et décédé en 1900. Son roman le plus célèbre étant Le portrait de Dorian Gray, sorti en 1890. C'est bien sûr Oscar Wilde, romancier, dramaturge et poète. De son véritable nom, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, né dans la bourgeoisie irlandaise et protestante de Dublin, d'un père ophtalmologiste renommé et d'une mère poétesse. Parmi ses œuvres les plus connues, outre le portrait de Dorian Gray, on peut citer Le fantôme des Canterville, 1887, Salomé, 1891, ou encore Un mari idéal et l'importance d'être constant en 1895. La nouvelle d'Oscar Wilde que je vous propose d'écouter aujourd'hui s'intitule Le pêcheur et son âme, publiée dans un recueil de nouvelles du même nom, entre 1888 et 1891. Chaque soir, le jeune pêcheur partait sur la mer et jetait ses filets. Lorsque le vent soufflait de la terre, il ne prenait rien ou, avec la meilleure chance, fort peu de choses, car c'était un vent âpre aux ailes noires et de rudes vagues s'en allaient à sa rencontre. Mais quand le vent soufflait vers la terre, le poisson remontait des profondeurs et nageait dans les mailles de ses filets. Chaque soir, le jeune pêcheur partait sur la mer, et un soir, son filet fut si lourd qu'il eut toutes les peines du monde à le tirer dans son bateau. Lors, il se mit à rire en se disant: Sûrement que j'ai dans mon filet tous les poissons de la mer ou quelque monstre que je vais exhiber comme une merveille ou quelque horreur que désirera voir la reine. Et, réunissant toutes ses forces, il tira les grosses cordes si violemment que les veines de ses bras ressemblaient à des lignes d'émail bleu le long d'un vase de bronze. Il retirait maintenant les mailles plus petites et au fur et à mesure approchait le cercle des bouchons plats jusqu'à ce que, enfin, l'extrémité du filet apparût hors de l'eau. Il ne s'y trouvait pas un seul poisson ni aucun monstre, mais rien qu'une petite sirène profondément endormie. Sa chevelure était comme une humide toison d'or et chaque cheveu comme un fil d'or dans une coupe de cristal. Son corps était blanc comme l'ivoire et sa queue était d'argent et de perles. D'argent et de perles était sa queue, et les vertes algues de la mer étaient roulées autour d'elle comme des coquilles étaient ses oreilles et comme du corail ses lèvres. Les froides vagues éclaboussaient sa gorge froide et le sel scintillait sur ses paupières. De cette beauté singulière, le jeune pêcheur était tout émerveillé
Il avança la main, attira le filet contre lui et, se penchant en avant, il saisit la sirène dans ses bras, mais à peine l'eut-il touchée qu'elle poussa un cri comme une mouette effrayée, s'éveilla, le regarda avec des yeux d'améthyste et essaya de s'échapper. Mais il la retint rudement, ne voulant pas la laisser partir. Quand elle constata qu'il n'y avait guère moyen de se dégager de l'étreinte de l'homme, elle se mit à pleurer et dit « Je t'en supplie, laisse-moi m'en aller, car je suis la fille unique d'un roi. Mon père est âgé et seul. » Mais le jeune pêcheur répondit « Je ne te laisserai partir que si tu me fais une promesse. Chaque fois que je t'appellerai, tu viendras et tu chanteras pour moi, car les poissons se réjouissent d'entendre les filles de la mer, et de la sorte, mes filets seront pleins. Tu me laisseras vraiment partir si je te fais cette promesse ?» dit la sirène. « Oui, en toute vérité, » dit le jeune pêcheur. Et alors, elle lui fit la promesse qu'il demandait et prêta le serment habituel aux filles de la mer. Il relâcha l'étreinte de ses bras et elle plongea dans les flots, encore toute tremblante de frayeur. Chaque soir, le jeune pêcheur s'en allait sur la mer et appelait la sirène. Elle se levait hors des flots et chantait pour lui. Tout autour d'elle nageaient les dauphins et les mouettes affairées tournoyaient au-dessus de sa tête. Elle chantait un chant merveilleux. Elle célébrait les habitants de la mer qui s'en vont par troupeaux, de caverne en caverne, et qui portent leurs petits sur leurs épaules, et les tritons qui ont de longues barbes vertes et des poitrines velues et qui soufflent dans des conques contournées quand passe le roi. Elle célébrait le palais royal entièrement construit d'ambre, avec une toiture de pâle émeraude et un dallage de perles éclatantes. Elle célébrait les jardins de la mer, où les grands éventails filigranés du corail s'en vont au gré des flots tout le long du jour, où les poissons passent et glissent comme des oiseaux d'argent, où les anémones se cramponnent aux rochers et les œillets bourgeonnent dans les dentelures jaunes du sable. Elle chantait les grandes baleines qui s'en viennent des mers septentrionales avec des glaçons aigus pendant à leurs fanons. Elle chantait les filles de la mer qui racontent de telles merveilles que les marchands doivent se boucher les oreilles avec de la cire pour ne pas les entendre, car ils se jetteraient à leur suite dans les vagues et seraient noyés. Elle chantait les galères naufragées avec leurs hautes mâtures et les mains gelées qui sont accrochées au cordage, tandis que les maquereaux entrent et sortent par les sabords. Elle chantait les petites bernacles qui sont de si grandes voyageuses qui s'attachent à la quille des vaisseaux et font ainsi le tour du monde. Elle racontait la vie des sèches qui habitent les falaises, étendent leurs larges bras noirs et peuvent s'entourer de nuit quand elles le veulent. Elle célébrait le Nautilus qui a un bateau à lui tailler dans une opale et qui porte une voile de soie. Elle célébrait les joueurs de harpe de la mer qui charment le sommeil du grand Kraken, les petits enfants qui chevauchent en riant les tortues à la glissante carapace, les sirènes qui sont couchées dans la blanche écume
et tendent les bras aux marins, les lions de mer avec leurs crocs recourbés et les chevaux marins aux flottantes crinières. Et, tandis qu'elle chantait, tous les tons arrivaient des profondeurs du flot pour l'écouter, et le jeune pêcheur, les entourant de ses filets, s'en emparait. Il en transperçait d'autres avec son harpon. Et quand son bateau était rempli, la sirène replongeait dans les vagues en lui souriant. Cependant, jamais elle n'approchait de lui au point qu'il pût la toucher. Souvent, il l'appelait et la suppliait de venir plus près, mais elle ne voulait point et, s'il faisait mine de vouloir s'en saisir, elle disparaissait dans l'eau comme un phoque, et il ne la revoyait pas de toute la journée. De jour en jour, le son de sa voix réjouissait davantage son oreille. Si douce était cette voix qu'il oubliait ses filets et désapprenait son métier d'habile pêcheur. Avec leurs nageoires couleur vermillon et leurs yeux comme des boules d'or, les thons arrivaient par bancs entiers, mais il n'y faisait pas attention. Son harpon restait dans le bateau inemployé et ses paniers d'osier tressés étaient vides. Bouche bée, les yeux troublés par l'admiration, il demeurait inactif dans sa barque et écoutait, jusqu'à l'heure où les brumes de la mer s'en venaient l'entourer, où la lune voyageuse revêtait de ses rayons d'argent la belle couleur brune de ses membres. Et un soir, il appela la petite sirène et lui dit « Ma petite sirène, ma petite sirène, je t'aime. Accepte-moi pour époux, car je t'adore. » Mais elle secoua la tête et répondit « Tu as une âme humaine. Si seulement tu voulais abandonner cette âme, je pourrais répondre à ton amour. » Et le pêcheur se dit en lui-même, « À quoi me sert donc mon âme? Je ne la vois pas, je ne puis la toucher, je ne la connais point. Certainement, je vais m'en débarrasser, et alors quel ne sera pas mon bonheur ?» Et un cri de joie jaillit de ses lèvres. Il se dressa tout debout dans son bateau peint, tendit les bras à la sirène en s'écriant « J'abandonnerai mon âme, tu m'épouseras, je serai à toi dans les profondeurs de la mer, nous habiterons ensemble et tout ce que tu m'as décrit dans tes chants, tu me le montreras et tout ce que tu désireras, je l'accomplirai et nos vies seront inséparables à jamais. » Et la petite sirène se mit à rire en se cachant la figure dans ses mains. Mais comment me débarrasser de mon âme? Dit le jeune pêcheur. Enseigne-moi comment il faut m'y prendre et tout de suite ce sera fait. Hélas, je l'ignore, répondit la petite sirène. Les enfants de la mer non point d'âme. » Et elle disparut dans les vagues en le regardant fixement. Avant que le soleil eût dépassé de la hauteur d'une main le sommet de la colline, le jeune pêcheur s'en alla à la maison du prêtre
et frappa trois fois à la porte. Le novice regarda par le judas et, reconnaissant vaguement le visiteur, fit jouer le loquet et dit « Entrez !» Et le jeune pêcheur passa le seuil, s'agenouilla sur les joncs odorants qui couvraient le sol et dit au prêtre en train de lire le livre saint « Mon père, je suis féru d'amour pour une fille de la mer et mon âme est cause que je ne puis atteindre à la réalisation de mes désirs. Dites-moi comment je puis me débarrasser de mon âme, car, en vérité, je n'en ai aucun besoin. À quoi me sert-elle ? Je ne puis la voir, il m'est impossible de la toucher, je ne la reconnais point. » Et le prêtre, se frappant la poitrine, répondit « Hélas ! Hélas ! Mais tu es fou ! N'aurais-tu pas mangé de quelques fruits empoisonnés ? L'âme est tout ce qu'il y a de plus noble en l'homme. C'est Dieu qui nous en a gratifié pour que nous fassions indigne usage. Nulle chose n'est plus précieuse que l'âme humaine. Rien ne peut lui être égalé. Elle vaut tout l'or de la terre. Elle surpasse en valeur tous les rubis des rois. C'est pourquoi, mon fils, ne songe plus à pareille folie, car c'est un impardonnable péché. Et quant aux filles de la mer, elles sont damnées, et tous ceux qui ont commercé avec elles le sont aussi. Le peuple de la mer est comme les animaux qui ne savent point distinguer le bien du mal, et ce n'est pas pour cela que notre Seigneur est mort. Les yeux du jeune pêcheur s'emplirent de larmes en entendant ces dures paroles du prêtre. Il se releva et lui répondit « Mon père, les faunes vivent heureux dans les forêts et sur les rochers, sont les tritons avec leur harpe d'or rouge. Faites que je sois comme eux, je vous en supplie, car leurs jours sont fleuris de bonheur. Et quant à mon âme, de quel profit m'est-elle donc ? Si elle est l'obstacle entre moi et la créature que j'aime. » L'amour, pour être sans âme, est bas, s'écria le prêtre en fronçant le sourcil. Viles et mauvaises sont les créatures païennes que la mansuétude de Dieu laisse errer à travers le monde qu'il a créé. Damnés soient les faunes des forêts, damnés les chanteurs de la mer. Je les ai entendus à la tombée de la nuit, et ils ont tenté de me détourner de mes prières. Ils viennent frapper à ma fenêtre et rire. Ils me chuchotent à l'oreille les récits de leur joie dangereuse. Ils me tentent de leur séduction. Et quand je voudrais prier, ils me font des grimaces. Ils sont damnés, je te le dis, ils sont damnés pour eux. Il n'y a ni enfer ni ciel où soit loué à jamais le nom du Seigneur. Mon père, fit le jeune pêcheur, vous ne savez point ce que vous dites. Un jour, j'ai pris dans mes filets la fille d'un roi. Elle est plus belle que l'étoile du matin et plus blanche que la lune. Pour posséder son corps, je donnerais mon âme. Pour avoir son amour, je renoncerais au ciel. Répondez à ce que je vous demande, et que je puisse m'en aller en paix. « Arrière ! Arrière ! » s'écria le prêtre. « Ton amante est maudite, et avec elle, tu seras maudit. » Et, sans lui donner de bénédiction, elle le chassa de sa demeure. Lors, le jeune pêcheur descendit à la place du marché, marchant lentement, la tête basse, comme un malheureux en grande peine. Quand les marchands le virent venir, ils commencèrent à se parler entre eux à l'oreille, puis l'un d'eux s'avança à sa rencontre, et l'appelant par son nom, lui dit « Qu'as-tu à vendre ?»« J'ai à te vendre mon âme, » répondit-il. « Je t'en prie, achète-la-moi. » Car je suis las de la garder.
À quoi me sert-elle, mon âme? Je ne puis la voir. Il m'est impossible de la toucher. Je ne la connais pas. Mais les marchands se moquèrent de lui. Que pourrions-nous faire avec l'âme d'un homme? Cela ne vaut pas le sou le plus rogné. Vends-toi comme esclave, soit. Nous vêtirons, nous, le corps que tu nous vends, de pourpre marine, nous passerons un anneau d'or à ton doigt, et tu deviendras le mignon de la grande reine. Mais ne nous entretiens pas de ton âme, car c'est de nul intérêt pour nous, et cela ne peut nous servir à rien. Et le jeune pêcheur se dit à part lui, quelque chose étrange. Le prêtre me dit que l'âme vaut tout l'or du monde, et les marchands me disent qu'elle ne vaut pas le sou le plus rogné. Et il quitta la place du marché pour s'en aller sur le rivage de la mer, réfléchir à ce qu'il fallait faire. À midi, il se souvint qu'un de ses camarades, un de ceux qui récoltent les cristes marines, lui avait parlé d'une jeune sorcière habitant une grotte à l'entrée de la baie, qui était fort experte en sortilèges. Son parti fut pris, et il se mit à courir, tellement intense était son désir de quitter son âme, et un nuage de poussière suivait sa course sur le sable du rivage. Par la démangeaison qu'elle ressentit à la paume de la main, la jeune sorcière se rendit compte de son arrivée. Elle se mit à rire et laissa retomber la masse de ses cheveux d'or rouge. Et cette chevelure d'or rouge flottant autour d'elle, elle s'assit à l'entrée de la grotte. Elle tenait dans sa main une branche de ciguë sauvage qui était en fleur. « Que te faut-il? Que te faut-il ? » s'écria-t-elle tandis qu'il arrivait tout haletant sur l'escarpement et s'inclinait devant elle. « Du poisson dans tes filets, quand le vent est mauvais ? » J'ai un petit chalumeau. Lorsque je souffle dedans, le mulet se précipite en masse dans la baie. Mais cela vaut gros, joli garçon, cela vaut gros. Que te faut-il? Que te faut-il? Une tempête pour engloutir les vaisseaux et faire apporter au rivage par la vague méchante des coffres remplis de riches trésors. Je puis soulever plus de tempêtes que le vent, car celui que je sers est plus puissant que lui. Avec un crible et un seau d'eau, je puis envoyer les plus grandes galères tout au fond de la mer. Mais cela vaut gros, mon joli garçon. Que te faut-il? Que te faut-il? Je sais, une fleur qui croît dans la vallée. Personne ne la connaît à part moi. Elle a des feuilles pourpres et une étoile dans le cœur. Il en sort un jus blanc comme du lait. Si tu touchais seulement avec cette fleur les dures lèvres de la reine, elle te suivrait à travers le monde. Elle quitterait le lit du roi et par l'univers entier, elle irait avec toi. Et cela vaut gros, mon joli garçon. Cela vaut gros. Que te faut-il? Que te faut-il? Je puis piler un crapaud dans un mortier et en faire un liquide que j'agite avec la main d'un mort? Asperge avec ce liquide ton ennemi pendant son sommeil et il sera changé en vipère noire et sa propre mère le tuera. Avec une roue, je puis faire descendre la lune et, dans un miroir de cristal, je puis te montrer la mort. Que te faut-il? Que te faut-il? Dis-moi ce que tu désires et je te le donnerai.
Mais il faudra me payer un bon prix, mon petit garçon. Il faudra me payer un bon prix. Mon désir n'est pas bien difficile à contenter, dit le jeune pêcheur. Et pourtant, quand je le lui ai révélé, le prêtre s'est emporté contre moi et m'a chassé. Il ne me faut qu'une toute petite chose. Et cependant, quand ils ont su, les marchands se sont moqués de moi et m'ont répondu par un refus. C'est pourquoi je suis venu à toi, bien que les hommes t'appellent la maudite, et quel que soit ton prix, je le paierai. Que veux-tu dire ? Demanda la sorcière en s'approchant. Je voudrais que mon âme s'en allât de mon corps, répondit le pêcheur. La sorcière devint pâle, tressaillit et se cacha la face dans son manteau bleu. Joli garçon, c'est bien terrible ce que tu me demandes. Il secoua ses boucles brunes en riant. Mon âme ne m'est rien, répliqua-t-il. Je ne puis la voir. Il m'est impossible de la toucher. Je ne la connais point. Combien me paieras-tu si je te dis ce qu'il faut faire ? Interrogea la sorcière en baissant vers lui le regard de ses beaux yeux. 5 pièces d'or, dit-il, et mes filets, et la maison en jonc tressé où je demeure, et le bateau peint dont je me sers. Mais dis-moi comment je dois faire pour me débarrasser de mon âme, je t'en prie, et je te donnerai tout ce que je possède. Elle eut un rire moqueur, et le frappa avec la branche de cigu. « Je puis changer en or et les feuilles de l'automne, répondit-elle, et si je voulais, il me serait possible de tresser comme un fil d'argent les rayons de la lune. Celui que je sers est plus riche que tous les rois de la terre avec leur domaine. Mais que te donnerais-je donc ? S'écria-t-il, si tu ne veux ni or ni argent. La sorcière caressa de sa frêle main blanche la chevelure du jeune pêcheur. Il faut que tu danses avec moi, joli garçon, murmura-t-elle. Et elle avait un sourire en lui parlant. Rien que cela ? Rien que cela ? S'écria le jeune pêcheur, tout étonné. Et il se releva. Rien que cela, répondit-elle. Et elle sourit de nouveau. Eh bien, au coucher du soleil, nous nous retrouverons dans quelque endroit écarté et nous danserons ensemble, dit-il. Et après que nous aurons dansé, tu me diras ce que je désire savoir. Elle fit un signe de tête. Quand la lune donnera en plein, murmura-t-elle. Et elle regarda attentivement autour d'elle et écouta. Un oiseau bleu s'envola de son nid en criant et s'en alla en tournoyant par-dessus les dunes. 3 oiseaux au plumage tacheté s'agitèrent dans les hautes herbes vertes et se renvoyèrent des trilles. On n'entendait rien d'autre, à part le bruit d'une vague qui roulait les petits cailloux au-dessous d'eux sur la plage. La sorcière étendit le bras, attira contre elle le jeune pêcheur et posa contre son oreille ses lèvres sèches. Ce soir, il faut que tu te trouves au sommet de la montagne, fit-elle à mi-voix. Il faut que tu viennes au sabbat. Il sera là. Le jeune pêcheur tressaillit et la regarda.
Elle se mit à rire en découvrant des dents blanches. « Qui est celui dont tu parles ? » demanda-t-il. « Il t'importe peu, » répondit-elle. « Viens, ce soir, tiens-toi sous les branches du charme et attends ma venue. Si un chien noir court sur toi, frappe-le avec une baguette de saule et il s'en ira. Si un hibou te parle, ne réponds pas. Quand la lune éclairera en plein, je te rejoindrai et sur l'herbe ensemble, nous danserons. Mais jure-moi que tu me diras comment je puis me débarrasser de mon âme. Elle sortit de la grotte vers la lumière du jour et à travers sa rousse chevelure jouait le vent. Par les sabots du bouc, je te le jure, répondit-elle. Tu es la meilleure des sorcières, s'écria le jeune pêcheur. Et certainement, je danserai avec toi sur le sommet de la montagne. J'eusse préféré t'entendre me demander de l'or ou de l'argent, mais tu auras ce que tu as demandé, c'est peu de chose du reste. Et il ôta son bonnet pour la saluer, s'inclina profondément, puis s'enfuit vers la ville où il s'en revint, le cœur rempli de joie. Et la sorcière le regardait s'en aller, et lorsqu'il fut hors de vue, elle rentra dans sa grotte, prit dans une boîte de cèdre un miroir, le plaça sur un cadre et brûla devant lui de la verveine sur un feu de charbon de bois, regardant attentivement à travers la fumée tourbillonnante. Puis, après quelques instants, elle eut un geste de colère et ses mains se crispèrent. « Il aurait dû être à moi !» murmura-t-elle. « Je suis son égal en beauté. » Et ce soir-là, quand la lune se fut levée, le jeune pêcheur escalada la montagne et attendit sous les branches du charme. Comme un bouclier de métal poli, la mer s'étalait à ses pieds et les ombres des bateaux de pêche se mouvaient dans la petite baie. Un grand hibou, avec des yeux d'un jaune sulfureux, l'appela par son nom, mais il ne répondit pas. Un chien noir s'élança sur lui en grognant. Il le frappa avec une baguette de saule, et le chien s'en alla tout plaintif. À minuit, arrivèrent les sorcières, volant à travers l'air comme des chauves-souris. Criait-elle en touchant le sol. Il y a là quelqu'un que nous ne connaissons point. Et elles humaient le vent et chuchotaient entre elles en se faisant des signes. La dernière de toutes vint la jeune sorcière avec sa chevelure rousse flottant dans son dos. Elle portait un costume en tissu brodé d'yeux de paon et un petit bonnet de velours vert était posé sur sa tête. « Où est-il ? Où est-il ? » clamèrent les sorcières quand elles aperçurent leur compagne. Mais elle se contenta de rire, courut dans la direction de l'arbre, prit le jeune pêcheur par la main, le conduisit dans la clarté de la lune et commença à danser. Il faisait des tours et des tours, et la jeune sorcière sautait si haut que son danseur pouvait voir les talons écarlates de ses chaussures. Puis, en plein milieu des danseurs, on entendait le galop d'un cheval sans qu'on en pût voir aucun, et le jeune pêcheur se sentait envahi par l'effroi. « Plus vite !
criait la sorcière, et elle jetait ses bras autour de son cou, et il sentait son haleine toute chaude sur sa figure. « Plus vite, plus vite !» s'écriait-elle, et la terre semblait tourner sous les pieds du danseur, son cerveau commençait à se troubler, et une immense terreur s'emparait de lui, comme si quelque créature mauvaise l'eût regardé. À la fin, il eut l'impression très nette que, dans l'ombre du rocher, là-bas, quelqu'un le considérait, qu'il n'avait pas encore aperçu. C'était un homme vêtu de velours noir, et son costume était de coupe espagnole. Sa figure était étrangement pâle, ses lèvres ressemblaient à une orgueilleuse fleur rouge. Il paraissait là et était assis incliné en arrière et jouant d'un air insouciant avec le pommeau d'un poignard. Sur l'herbe, à côté de lui, était un chapeau empanaché et une paire de gants de cheval lacés avec un fil d'or et sur lequel étaient cousues des perles formant une curieuse devise. Un court manteau doublé de martre pendait de ses épaules, et il y avait à ses mains fines et blanches des bagues précieuses. De lourdes paupières se gonflaient au-dessous de ses yeux. Le jeune pêcheur se prit à fixer le personnage comme sous l'influence d'un charme. À la fin, les yeux se rencontrèrent, et tandis qu'il continuait à danser, il lui semblait sentir sur lui le regard de cet homme. Il entendit la sorcière rire, et la saisit par la taille, et la fit tournoyer follement plus vite et encore plus vite. Soudain, un chien aboya dans le bois. Les danseuses s'arrêtèrent et, s'avançant deux par deux, s'agenouillèrent devant l'homme en velours et lui baisèrent les mains. En recevant cet hommage, un léger sourire éclairait les lèvres de l'inconnu, de même que les ailes d'un oiseau font sourire l'eau qu'elles effleurent. Mais il y avait bien du dédain dans ce sourire. Son regard s'arrêta sur le jeune pêcheur. « Allons adorer le maître !» lui dit à mi-voix la sorcière, et elle lui fit signe d'avancer. Un grand désir s'empara de lui, de l'imiter, et il la suivit. Mais quand il fut tout près de l'étrange homme qu'on adorait, par un mouvement instinctif, il se signa en invoquant le nom du Seigneur. À peine avait-il agi de la sorte que les sorcières se mirent à pousser des cris d'or frais et, à la débandade, s'envolèrent. La face pâle qui luisait dans la nuit se contracta dans un spasme de souffrance. Le dominateur du sabbat se dirigea vers le bois et siffla. Un genet que recouvrait un harnachement en argent arriva au galop et à sa rencontre, et tandis qu'il sautait en selle, il se retourna et regarda rageusement le pêcheur. À son tour, la harpie chevelue de roux essaya de prendre son envol, mais le jeune homme la saisit par les poignets et la tint ferme. « Lâche-moi ! clamait-elle. « Laisse-moi m'en aller, car tu as nommé celui qui ne devait pas être nommé, et tu as montré le signe qu'on ne peut regarder. »« Nullement, répondit-il, tu ne t'en iras pas avant de m'avoir dit le secret. »« Quel secret ? Dit la sorcière, luttant avec lui comme une chatte en furie et mordant ses lèvres écumantes. « Tu le sais !» Ses yeux verts s'obscurcirent de larmes, et elle dit au pêcheur, « Demande-moi n'importe quoi,
mais pas cela. Il se mit à rire et la retint plus fermement encore. Et voyant qu'il lui était impossible d'échapper à son étreinte, elle murmurait à mi-voix « Sûrement que je suis aussi belle qu'aucune des filles de la mer et aussi avenante qu'aucune de celles qui habitent sous le bleu des vagues. » Ce disant, elle prenait un air caressant et approchait son visage du sien. Mais il la repoussa rudement et lui dit « Si tu ne tiens pas ta promesse, je te tuerai comme une mauvaise sorcière que tu es. » Elle devint d'une pâleur livide, comme une fleur de l'arbre de Judas, et tressaillit. « Qu'il en soit donc comme tu le désires, » prononça-t-elle. « Après tout, il s'agit de ton âme et non de la mienne. Fais-en ce que tu veux. » Et elle prit dans sa ceinture un petit couteau, dont le manche était recouvert d'une peau de vipère, et le lui tendit. « À quoi me servira-t-il ? » demanda le jeune pêcheur tout étonné. Elle resta silencieuse quelques instants, et une expression de terreur marqua son visage. Puis elle ramena en arrière les cheveux qui obscurcissaient son front, et, en souriant d'un sourire étrange, lui dit « Ce que les hommes appellent l'ombre du corps n'est pas l'ombre du corps, mais c'est le corps de l'âme. Tiens-toi sur le rivage de la mer, avec le dos tourné vers la lune, et coupe autour de toi, à tes pieds, ton ombre, qui est le corps de ton âme. Ordonne à ton âme de te quitter, et elle obéira à ton ordre. » Le jeune pêcheur tremblait. « Est-ce la vérité ? » dit-il à mi-voix. « Oui, 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 c'est la vérité. J'eusse préféré ne pas être obligé de te dire cela. » Et elle s'accrocha à ses genoux en pleurant. Il la repoussa et la laissa sur l'herbe, et, déjà tourné vers la côte, il plaça son couteau dans sa ceinture et commença à descendre. Mais son âme, qui s'affolait en lui, l'appela, disant « Vois, j'ai habité en toi pendant tant d'années, et durant tout ce temps je t'ai bien servi. Ne me chasse pas loin de toi, car quel mal t'ai-je jamais fait ?» Et le pêcheur se mit à rire. « Tu ne m'as fait aucun mal, mais je n'ai pas besoin de toi, » répondit-il. Le monde est grand, et il y a aussi le ciel et l'enfer, et ce séjour de trouble crépuscule qui est entre eux. Va où tu veux, mais ne m'importune point, car ma bien-aimée m'appelle. » Et son âme, quand même, implorait sa compassion, mais il restait sourd à ses plaintes et bondissait de roche en roche comme une chèvre sauvage. Enfin, il atteignit le terrain uni, le sable jaune dévalant vers la mer. Avec ses membres bronzés et fermes, tels ceux d'une statue créée par un sculpteur grec, il était là, debout, sur la plage, le dos tourné vers la lune, et de l'écume des vagues se levèrent des bras blancs qui l'appelaient. À la surface des flots se dressèrent de vagues apparitions qui lui rendaient hommage. Devant lui était son ombre sur le sable,
le corps de son âme, et derrière lui la lune flottait dans le firmament couleur de miel. Et son âme lui dit encore: si vraiment tu veux me chasser hors de toi, ne me chasse pas sans cœur. Le monde est cruel. Donne-moi ton cœur pour que je l'aie avec moi. Il secouait la tête en souriant. Comment adorerai-je ma bien-aimée si je te donne mon cœur? S'écria-t-il. Oh, mais je t'en prie, par pitié, dit son âme, donne-moi ton cœur, car le monde est très cruel et j'ai peur. Mon cœur appartient à ma bien-aimée, répondit-il. C'est pourquoi ne reste pas ici à attendre, va-t'en. N'aimerais-je donc pas aussi? Demanda son âme. Va-t'en, te dis-je, car je n'ai nul besoin de toi, s'écria le jeune pêcheur, et il prit le petit couteau au manche en peau de vipère et découpa son ombre à ses pieds. Elle se leva, se plaça devant lui, le regarda, et elle était comme lui-même. Il recula et remit le couteau dans sa ceinture. Une impression d'angoisse l'envahissait. « Va-t'en ! Va-t'en ! » fit-il. « Et que je ne te revoie plus. » « Nous devons pourtant nous rencontrer encore, » dit l'âme. Sa voix était grêle et avait le son d'une flûte. Ses lèvres remuaient à peine. Comment cela se peut-il? Dit le jeune homme. Tu ne vas pas me suivre, n'est-ce pas, dans les profondeurs de la mer? Non, mais une fois tous les ans, je reviendrai ici et je t'appellerai, dit l'âme. Il se peut que tu aies besoin de moi. Et pourquoi cela? Mais qu'il soit fait selon ton désir. Et il se précipita dans les vagues, et les tritons soufflaient dans leurs cornes et les petites sirènes s'avançaient à sa rencontre, jetant leurs bras autour de son cou, et elles le baisaient sur les lèvres. Et l'âme restait sur la plage déserte, les regardant. Et quand ils eurent tous plongé dans la mer, elle s'en alla en pleurant à travers les marais. Après une année, l'âme descendit au rivage de la mer et appela le jeune pêcheur. Il sortit des profondeurs et dit « Pourquoi m'appelles-tu donc ?» Et l'âme lui répondit « Approche, que je puisse te parler, car j'ai bien des choses merveilleuses. » Et il approcha, se coucha dans un bas-fond, et, appuyant sa tête sur la main, il écouta. Et l'âme lui dit, « Après que je t'ai quitté, je me tournais vers l'Orient et je voyageais. De l'Orient vient toute la sagesse. 6 jours je voyageais et, le matin du 7e jour, j'arrivais à une colline qui est dans le pays des Tartares. Je m'assis à l'ombre d'un tamarin pour m'abriter du soleil. Le sol était desséché par la chaleur. Des gens allaient et venaient dans la plaine comme des mouches sur un plat de cuivre poli. Quand arriva le milieu du jour,
un nuage de poussière s'éleva du sol. En le voyant, les Tartares tendirent leur arc peint, sautèrent sur leurs petits chevaux et s'avancèrent à sa rencontre au galop. Les femmes s'enfuirent en criant vers les chariots et se cachèrent derrière le rideau de feutre. Au crépuscule, les Tartares revinrent, mais 5 d'entre eux manquaient, et de ceux qui rentraient, plusieurs étaient blessés. Ils attelèrent leurs chevaux au chariot et s'en allèrent précipitamment. 3 chacals sortirent d'une caverne et les regardèrent. Ils humèrent le vent et partirent dans la direction opposée. Quand la lune se leva, j'aperçus les feux d'un campement dans la plaine et j'allais de ce côté. Une troupe de marchands était assis en cercle sur des tapis. Les nègres qui les servaient étaient en train de fixer des tentes en peau tannée sur le sable et d'élever une haute muraille de défense avec des poiriers épineux. Comme je m'avançais, le chef des marchands se leva, tira son épée et me demanda ce que je venais faire. Je répondis que j'étais un prince dans mon pays et que je m'étais échappé des mains des Tartares qui avaient voulu faire de moi leur esclave. Le chef sourit et me montra 5 têtes fichées sur de longues tiges de bambou. Puis il me demanda qui était le prophète de Dieu, et je répondis « Mahomet ». Quand il entendit le nom du faux prophète, il s'inclina, puis il me prit par la main et me plaça à ses côtés. Un nègre m'apporta un peu de lait de jument dans une tasse en bois, ainsi qu'un morceau d'agneau rôti. À l'aube, nous nous mîmes en route. J'étais installé sur un chameau au poil roux, à côté du chef, et un coureur allait devant nous portant une lance. Les hommes de guerre marchaient de chaque côté, et les mules suivaient avec les bagages. Il y avait 40 chameaux dans la caravane, et les mules étaient en nombre double. Nous passâmes du pays des Tartares dans le pays de ceux qui maudissent la lune. Nous vîmes les griffons gardant leur or dans les rochers blancs et les dragons scameux qui dorment dans leurs cavernes. En passant les montagnes, nous retenions notre respiration de peur que la neige ne se détachât des hauteurs et chacun portait un voile de gaze devant les yeux. Comme nous allions par les vallées, les pygmées tirèrent sur nous du creux des arbres, et quand vint la nuit, nous entendîmes le roulement du tambour des sauvages. Lorsque nous arrivâmes à la tour des singes, nous plaçâmes des fruits devant eux, et ils ne nous firent aucun mal. Quand nous fûmes à la tour des serpents, nous leur donnâmes du lait chaud dans des vases d'airain, et ils nous laissèrent passer. 3 fois, pendant notre voyage, nous touchâmes les rives de l'Oxus. Nous le traversâmes sur des radeaux de bois portant de grandes outres en cuir soufflé. Les hippopotames se précipitèrent furieux contre nous et cherchèrent à nous dévorer. En les voyant, les chameaux tremblaient. Les rois de chaque cité levaient des péages sur nous, mais ne voulaient pas nous laisser passer les portes. Ils nous jetaient du pain par-dessus les murailles, des petits gâteaux cuits dans du miel ou bien des gâteaux de fine farine remplis de dattes. Pour chaque centaine de paniers, nous donnions un grain d'ambre. Quand les habitants des villages nous voyaient arriver, ils empoisonnaient les puits et fuyaient sur le sommet des montagnes. Nous luttâmes contre les Magadaïs qui naissaient vieux et deviennent de plus en plus jeunes d'année en année pour mourir quand ils sont tout petits enfants, avec les Lactrois qui se disent issus de tigres et qui se teignent en jaune et en noir, avec les Ourantes
qui exposent leurs morts au sommet des arbres et vivent dans de sombres cavernes de peur que le soleil, leur dieu, ne les frappe. Avec les Krimnians, qui adorent un crocodile auquel ils donnent des pendants d'oreilles en verre et qu'ils nourrissent de beurre et de jaune de poulet. Avec les Agazombes, qui ont des faces de chiens. Avec les Sibans, qui ont des sabots de chevaux et qui sont plus rapides que n'importe quel coursier. Un tiers de la caravane périt dans les combats et un autre tiers mourut d'épuisement. Les survivants murmuraient contre moi et disaient que je leur avais jeté un mauvais sort. Je pris une vipère à cornes de dessous une pierre et je la laissai me piquer. Quand ils virent que je n'en ressentais aucun mal, ils commencèrent à s'effrayer. Dans le courant du quatrième mois, nous atteignîmes la cité d'Hillel. Il était nuit lorsque nous arrivâmes au petit bois qui est en dehors des murailles, et la température était accablante, car la lune voyageait dans le scorpion. Nous cueillîmes des grenades mûres, nous les ouvrîmes et bûmes leur jus sucré. Puis nous nous installâmes sur nos tapis pour attendre le lever du jour. À l'aube, nous nous levâmes et nous frappâmes à la porte de la cité. Elle était faite de bronze rouge et portait des sculptures représentant des monstres marins ainsi que des dragons ailés. Les gardes nous observaient du haut des retranchements et nous demandèrent ce que nous venions faire. L'interprète de la caravane répondit que nous arrivions de l'île de Syrie avec beaucoup de marchandises. Ils choisirent des otages parmi nous et dirent qu'ils nous ouvriraient les portes à midi. Jusque-là, nous devions attendre. Lorsqu'il fut midi, ils ouvrirent la porte. À notre entrée, le peuple se précipita en foule hors des maisons pour nous voir, et un crieur parcourut la ville, soufflant dans une conque pour nous annoncer. Nous nous arrêtâmes sur la place du marché. Les nègres délièrent les ballots de costumes façonnés et ouvrirent les coffres en bois de sycomore. Et quand ils eurent fini leur besogne, les marchands étalèrent leurs marchandises étranges, le linge ciré venant d'Égypte et les toiles du pays des Éthiopiens, les éponges pourprées de Tyr, les tentures bleues de Sidon, les coupes d'ambre froid, les vases en verre, et les curieux objets en argile cuite. Du haut d'un toit, un groupe de femmes nous regardait. L'une d'entre elles avait un masque en cuir doré. Et le premier jour, les prêtres arrivèrent et trafiquèrent avec nous. Le second jour, vinrent les nobles, et le troisième, les artisans, ainsi que les esclaves. Ainsi se comporte-t-il avec les marchands, tout le temps qu'ils séjournent parmi eux. Et nous restâmes là toute une lune, vers son déclin, comme je m'ennuyais, j'allais vaguant parmi les rues de la cité, et j'arrivais dans le jardin où était le dieu qui était censé la protéger. Les prêtres en robe jaune circulaient silencieusement sous les arbres verts
et sur un dallage de marbre noir, il y avait un temple rouge rosé où était vénéré le dieu. Les portes étaient de laque poudrée sur laquelle étaient figurés des taureaux et des paons en or poli ou repoussé. Les tuiles du toit étaient en porcelaine vert de mer, et les lamiers faisant saillie étaient festonnés de clochettes. Quand passaient les pigeons blancs, ils frottaient de leurs ailes les clochettes et les faisaient sonner. Devant le temple se trouvait un bassin d'eau claire dallée d'onyx veiné. Je me couchai à côté du bassin et de mes doigts pâles touchai les larges feuilles des arbres. Un des prêtres s'avança et se plaça derrière moi. Il portait aux pieds des sandales, l'une en peau de serpent très tendue, l'autre en plume d'oiseau. Sur sa tête était une mitre de feutre noir décorée de croissants en argent. Sept croissants jaunes étaient figurés dans le tissu de sa robe et sa chevelure frisée était teinte d'antimoine. Après quelques instants de silence, il m'adressa la parole et me demanda ce que je désirais. Je lui répondis que mon désir était de pouvoir contempler le dieu. « Le dieu est allé à la chasse, » dit le prêtre en me regardant d'un air étrange avec ses petits yeux obliques. « Dites-moi dans quelle forêt et je chevaucherai avec lui, » répondis-je. Il peigna les douces franges de sa tunique avec ses ongles très longs et en pointe. « Le dieu dort, » fit-il à mi-voix. « Dites-moi où, et je veillerai à son chevet. » « Le dieu assiste à la fête, » fit le prêtre. Si le vin est sucré, je boirai avec lui. S'il ne l'est pas, je boirai aussi avec lui, fut ma réponse. Le prêtre inclina la tête tout étonné, et me reprenant par la main, il me fit lever et me conduisit dans le temple. Dans la première salle, je vis une idole sur un trône de jaspe bordé de grandes perles d'Orient. L'idole était en bois d'ébène sculpté et avait la hauteur d'un homme. Sur son front, il y avait un rubis et une huile épaisse tombait goutte à goutte de ses cheveux sur ses cuisses. Ses pieds étaient rouges du sang d'un chevreau fraîchement immolé. Et il portait à ses reins une ceinture de cuivre ornée de sept bérylles. Et je dis au prêtre, « Est-ce là le dieu ?» Et il me répondit, « Oui, c'est le dieu. »« Montre-moi le dieu !» m'écriai-je, « ou sûrement, je te tue !» Et comme je pressai sa main, elle devint morte. Et le prêtre m'implora, disant « Que mon Seigneur veuille bien guérir son serviteur, et je lui montrerai le Dieu. » Et je dirigeai mon haleine sur sa main, et elle reprit vie. Le prêtre se mit à trembler et me conduisit dans la deuxième salle. Là, je vis une idole sur un lotus de jade que soutenaient des gerbes d'émeraude. L'idole était d'ivoire sculpté et deux fois plus haute que la statue d'un homme. Sur son front, il y avait une chrysolite et sa poitrine était barbouillée de myrrhe et de cinnamone. Dans une main,
Elle tenait un sceptre en jade de forme recourbée et dans l'autre une boule de cristal. Elle portait des chaussures d'airain et autour de son cou épais, il y avait un collier de sélénite. Et je dis au prêtre, « Est-ce là le dieu ?» Et il me répondit, « C'est le dieu. « Montre-moi le dieu, m'écriai-je, ou sûrement je te tuerai. » Et je touchai ses yeux, et il devint aveugle. Et le prêtre m'implora, disant, « Que mon Seigneur veuille bien guérir son serviteur, et je lui montrerai le dieu. » Je dirigeai mon haleine sur ses yeux. Ils revirent la lumière. Le prêtre, de nouveau, se mit à trembler et me conduisit dans la troisième salle. Et là, il n'y avait pas d'idole, ni de statue d'aucune sorte, mais seulement un miroir en métal de forme ronde sur un autel de pierre. Et je dis au prêtre, « Où est le Dieu ?» Et il me répondit, il n'y a pas le Dieu, mais il y a ce miroir que tu vois et qui est le miroir de la sagesse. Il réfléchit toutes choses qui sont sur terre et dans le ciel, excepté la face de celui qui regarde dedans. Cela, il ne réfléchit pas, de sorte que celui qui regarde dedans peut devenir sage. Il y a encore là d'autres miroirs, mais ce sont les miroirs de l'opinion. Seul celui-ci est le miroir de la sagesse, et ceux qui possèdent ce miroir connaissent tout, rien ne leur est caché, et ceux qui ne le possèdent point ignorent la sagesse. C'est donc là le Dieu que nous adorons. Et je regardais dans le miroir, et c'était tout comme le prêtre l'avait dit. Et je fis une chose étrange. Mais mon acte t'importe peu, car dans une vallée qui n'est pas à plus d'une journée d'ici, j'ai caché le miroir de la sagesse. Permets seulement que je rentre en toi et que je te serve de nouveau, et tu seras plus sage que tous les sages, et la sagesse sera tienne. Souffre seulement que je rentre en toi, et personne ne sera aussi sage que toi. » Mais le pêcheur se mit à rire. « L'amour vaut mieux que la sagesse » s'écria-t-il. « Et la petite sirène m'adore !»« Oh non, il n'y a certes rien de supérieur à la sagesse, » dit l'âme. « L'amour vaut mieux, » répondit le jeune pêcheur, et il replongea dans la mer profonde, et l'âme s'en alla en pleurant à travers les marais. Et après que la deuxième année se fut écoulée, l'âme descendit sur le rivage de la mer et appela le jeune pêcheur. Il arriva des profondeurs et dit, « Pourquoi donc m'appelles-tu ? » Et l'âme répondit, « Approche que je puisse te parler, car j'ai vu des choses merveilleuses. » Et il vint plus près, se coucha dans un bas-fond, inclina sa tête sur sa main et écouta. Et l'âme lui dit, après que je t'ai quitté, je me suis tourné vers le sud et je me suis mis en route. Du sud vient tout ce qui est précieux. 6 jours je voyageais sur les grandes routes qui conduisent à la cité d'Aster. Sur les grandes routes couvertes de poussière rouge, par où les pèlerins ont coutume d'aller, j'allais et, le matin du 7e jour, je regardais
et voilà que la cité était à mes pieds, car elle était dans une vallée. Il y a 9 portes à cette cité, et devant chacune de ces portes est un cheval de bronze qui hennit lorsque les bédouins descendent des montagnes. Les murailles sont revêtues de plaques de cuivre et les tours de guet ont des toitures d'airain. Dans chacune des tours est un archer avec un arc à la main. Au lever du soleil, il lance une flèche contre un gong et au coucher du soleil, il souffle dans une trompe de corne. Comme je voulais entrer, les gardes m'arrêtèrent et me demandèrent qui j'étais. Je répondis que j'étais un derviche en route pour la Mecque, où se trouvait un voile vert sur lequel le Coran avait été brodé en lettres d'argent par des anges. Ils furent remplis d'étonnement et me prièrent d'entrer. Des échoppes où l'on servait du thé, arrivait le son des guitares et l'on voyait des fumeurs d'opium avec leurs faces blanches et souriantes regarder les passants. Vrai, tu aurais dû être avec moi. Les vendeurs de vin se frayaient, à coups de coude, un chemin dans la foule, portant sur leurs épaules de grandes outres noires. La plupart vendent le vin de Shiraz, qui est doux comme le miel. Ils le servent dans de petites tasses en métal et posent dessus des feuilles de rose. Sur la place du marché sont installés les fruitiers qui vendent toute espèce de fruits, des figues mûres avec leur chair comme meurtrie et pourpre, des melons sentant le musc et jaunes comme des topazes, des citrons, des pommes roses, des grappes de raisin blanc, des oranges très rondes couleur d'or rouge et des limons ovales couleur d'or vert. Une fois, je vis passer un éléphant monstrueux. Son corps était teint de vermillon et de safran et sur ses oreilles il y avait un filet en cordon de soie écarlate. Il s'arrêta devant l'une des échoppes et se mit à manger des oranges. Le marchand se contentait de rire. Tu ne peux t'imaginer quelles singulières gens ce sont. Quand leur humeur est joyeuse, ils vont chez les marchands d'oiseaux et en achètent un, dont ils ouvrent la cage pour que le plaisir de cette liberté donnée s'ajoute à leur joie. Quand ils sont d'humeur triste, ils se frottent d'épines pour ne rien perdre de leur tristesse. Un soir, je rencontrai plusieurs nègres transportant, à travers le bazar, un lourd palanquin. Il était fait de bambous dorés, et les montants étaient de laque couleur vermillon et ornés de pans en bronze. Aux ouvertures, il y avait des rideaux de mousseline sur lesquels étaient brodées des ailes de scarabées et de mignonnes graines d'orge, et lorsqu'il passa, j'aperçus une circassienne au visage pâle qui me regarda et me sourit. Je suivis le palanquin. Les porteurs pressèrent le pas, avec une expression de visage menaçante. Mais je n'en avais cure. Je me sentais pris d'une ardente curiosité. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une maison blanche de forme carrée. Il n'y avait pas de fenêtre à cette maison, mais seulement une petite porte qui figurait assez bien l'entrée d'une tombe. Ils déposèrent le palanquin sur le sol et agitèrent 3 fois un marteau de cuivre. Un Arménien au caftan de cuir vert regarda par le guichet et, quand il reconnut les arrivants, il ouvrit la porte, étendit un tapis et la femme sortit du palanquin. En entrant, elle se retourna et me sourit de nouveau. Je n'avais jamais vu de visage aussi pâle. Quand la lune se leva, je retournai au même endroit et je cherchais la maison, mais elle ne s'y trouvait plus.
Voyant cela, je sus qui était la femme et pourquoi elle m'avait souri. Vrai, tu aurais dû être avec moi. À la fête de la nouvelle lune, le jeune empereur sortit de son palais et se rendit à la mosquée pour la prière. Sa chevelure et sa barbe étaient teintes de rose et ses joues étaient poudrées de fines poussières d'or. Les plantes de ses pieds et les paumes de ses mains étaient toutes jaunes de safran. Au lever du soleil, il sortit du palais dans une robe d'argent et, au coucher du soleil, il revint dans une robe d'or. Le peuple se prosternait et se cachait le visage. Mais je ne voulus pas faire comme tout le monde. Je me trouvais près de l'étalage d'un marchand de dattes et j'attendais. Lorsque l'empereur m'aperçut, ses sourcils peints se froncèrent. Il s'arrêta. Je ne bougeai pas et ne lui rendis point hommage. La foule était stupéfaite de mon audace. On me poussait à quitter en hâte la cité. Je ne fis pas attention à ce conseil et continuai ma route pour aller m'asseoir près de ceux qui vendaient des idoles étrangères et qui, pour le fait de ce commerce, étaient détestés. Quand je leur racontai ce que j'avais fait, chacun me donna une idole et me pria en grâce de m'éloigner. Ce soir-là, tandis que j'étais étendu sur un coussin dans le salon de thé situé dans la rue des Grenades, des gardes de l'empereur firent irruption et se saisirent de moi pour me conduire au palais. Lorsque je fus entré, ils fermèrent toutes les portes au moyen d'une chaîne. À l'intérieur, il y avait une grande cour entourée d'arcades. Les murs étaient d'albâtre avec, çà et là, des plaques de porcelaine bleue et verte. Les piliers étaient de marbre couleur fleur de pêcher. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Tandis que je traversais la cour, deux femmes voilées me regardaient d'un balcon. Elles me jetèrent des malédictions. Les gardes pressèrent le pas. Le bout de leurs lances sonnait sur les dalles polies. Ils ouvrirent une porte d'ivoire sculptée et je me trouvai dans un jardin bien arrosé et disposé en sept terrasses. Il était planté de tulipes en forme de coupe, de belles nuits, d'aloès argentées. Comme un svelte roseau de cristal, une fontaine jaillissait dans l'air moite. Il y avait là des cyprès, pareils à des torches éteintes. Sur l'un d'eux, un rossignol chantait. À l'extrémité du jardin se dressait un petit pavillon. À notre approche, deux eunuques sortirent et se dirigèrent vers nous. La marche faisait balloter la graisse de leurs membres. Curieusement, ils fixèrent sur moi leurs yeux aux paupières jaunes. L'un d'eux prit à part le capitaine des gardes et chuchota quelques mots à l'oreille. L'autre ne cessait de mâchonner des pastilles de senteur qu'il prenait, avec des gestes précieux, dans une petite boîte ovale en émail lilas. Après quelques instants, le capitaine des gardes renvoya ses hommes. Ils s'en retournèrent au palais, suivis lentement par les eunuques qui, en passant, cueillaient aux branches les mûres sucrées. Une fois, le plus âgé des deux se tourna et me lança un mauvais sourire. Le capitaine des gardes me conduisit vers la porte du pavillon. J'avançai sans trembler et, écartant le lourd rideau, j'entrai. Le jeune empereur était étendu sur un lit formé de peaux de lion teintes. Un gerfaut était perché sur son poing. Derrière lui se tenait un nubien avec un turban orné de cuir, nu jusqu'à la taille et portant à ses oreilles fendues de lourds anneaux. Sur une table, à côté de lui,
était posé un grand cimeterre d'acier. Quand l'empereur me vit entrer, il prit un air irrité et me dit « Quel est ton nom ? Ne sais-tu point que je suis l'empereur de cette cité ?» Mais je ne répondis pas un mot. Il indiqua d'un geste le cimeterre. Le Nubien s'en saisit et, prenant un élan, me frappa avec une grande force. La lame siffla à travers moi et ne me fit aucun mal. L'homme tomba en convulsion sur les dalles et, quand il se releva, ses dents claquaient de terreur. Il alla se cacher derrière le lit. L'empereur sauta de sa couche et, prenant un javelot dans une panoplie, le lança sur moi. Je l'arrêtai dans son vol et brisai le bois en deux. Il me décocha une flèche, mais j'élevai la main et l'arrêtai également. Alors, il tira un poignard de sa ceinture en cuir blanc et le plongea dans le cou du Nubien, afin que l'esclave ne pût révéler la faiblesse de son maître. L'homme se tordit comme un serpent écrasé, et des bulles d'écume rouge apparurent à ses lèvres. Aussitôt que l'esclave fut mort, l'empereur se tourna vers moi, et après avoir essuyé avec une petite serviette de soie pourpre la sueur qui perlait à son front, il me dit « Es-tu prophète ? Que je ne puisse te faire aucun mal, ou un fils de prophète ? Que je ne puisse te toucher. Je t'en prie, quitte ma ville dès ce soir, car tant que tu es ici, ce n'est pas moi qui règne en maître sur elle. » Et je lui répondis, « Je m'en irai, si tu me donnes la moitié de ton trésor. Donne-moi la moitié de ton trésor, et je m'en irai. » Il me prit par la main et me conduisit au dehors dans le jardin. Quand le capitaine des gardes m'aperçut, il fut stupéfait. Lorsque les eunuques me virent, leurs genoux furent secoués de frissons et ils tombèrent sur le sol terrifiés. Il existe dans le palais une salle qui a 8 murailles de porphyre rouge et un plafond de bronze imbriqué d'où pendent des lampes. L'empereur toucha l'une des murailles et elle s'entr'ouvrit. Nous descendîmes un corridor éclairé par de nombreuses torches. Dans des niches de chaque côté, il y avait de grandes jarres à vin, remplies jusqu'au bord de pièces d'argent. Lorsque nous eûmes atteint le centre du corridor, l'empereur prononça le mot qui ne peut pas être prononcé, et une porte de granit oscilla sous la force d'un ressort caché. L'empereur mit ses mains devant ses yeux pour ne pas être aveuglé. Tu ne pourrais croire combien merveilleuse était cette salle. Il y avait d'immenses carapaces de tortues, pleine de perles et de pierres de lune, d'une dimension extraordinaire. D'autres étaient remplies de rubis. L'or était rassemblé dans des coffres en peau d'éléphant et la poussière d'or dans des bouteilles de cuir. Il y avait des opales et des saphirs, ceux-ci dans des coupes de jade et celles-là dans des coupes de cristal. De rondes émeraudes étaient rangées sur de minces plats en ivoire et dans un coin, il y avait des sacs en soie, remplis les uns de turquoise, les autres de béryl. Des défenses d'ivoire étaient pleines de pourpre améthyste. De grandes cornes de bronze tenaient des amas de chalcédoïne et de sardoine. Aux piliers faits de bois de cèdre étaient suspendus des colliers d'yeux de lynx jaune. Sur des boucliers ovales et plats, c'étaient, à foison, des escarboucles vertes,
rouge couleur de vin et couleur d'herbe, et je ne t'ai décrit que la dixième partie de ce qui se trouvait là. Lors, quand l'empereur eut retiré ses mains de devant ses yeux, il me dit « Voici la salle du trésor. La moitié de ses richesses sont tiennes, ainsi que je t'en ai fait la promesse, et je te donnerai 3 chameaux avec leur conducteur. Ils obéiront à tes ordres et transporteront ce qui t'appartiendra de ceci dans n'importe quelle partie du monde où tu désireras te rendre. » Et tout sera réglé ce soir, car je ne voudrais pas que le soleil, qui est mon père, vit qu'il y a dans ma cité un homme supérieur à ma puissance. Mais je lui répondis, « L'or qui est là, est à toi, et l'argent aussi est à toi. À toi sont les précieux joyaux et les objets de prix. » Quant à moi, je n'ai besoin de rien. Je n'accepterai donc rien de toi, sauf cette petite bague que tu portes à ton doigt. » Et l'empereur prit un air irrité. « Ce n'est qu'un anneau de plomb !» s'écria-t-il. « Il n'a aucune valeur. Prends donc la moitié du trésor ou va-t'en de ma cité. » « Nullement, répliquai-je, je ne prendrai rien que cette bague de plomb, car je sais ce qui est inscrit à l'intérieur et le motif de cette inscription. » Et l'empereur se mit à trembler, et il me dit d'une voix suppliante, « Prends tout mon trésor et va-t'en de ma cité, la moitié qui m'appartient encore sera pour toi. » Et je fis une chose étrange, mais ce que je fis t'importe peu, car dans une caverne qui n'est pas à plus d'une journée de marche d'ici, j'ai caché l'anneau de la richesse. Il n'est pas à plus d'une journée de marche d'ici, et il attend ta venue. Celui qui possède l'anneau est plus riche que tous les rois du monde. Viens donc le prendre. Tous les trésors de la terre seront tiens. » Mais le pêcheur se mit à rire. « L'amour vaut mieux que la richesse, s'écria-t-il, et la petite sirène m'adore. » « Non, il n'y a rien de supérieur à la richesse, dit l'homme. « L'amour vaut mieux, répliqua le jeune pêcheur, et... il replongea dans les profondeurs. L'âme s'en alla en pleurant à travers les marais. Et après que la 3e année fut écoulée, l'âme redescendit sur le rivage de la mer et appela le jeune pêcheur. Il arriva des profondeurs et dit « Pourquoi m'appelles-tu ? » Et l'âme répondit, « Viens plus près, que je puisse te parler, car j'ai vu des choses merveilleuses. » Et il vint plus près et se coucha dans un bas-fond. Il inclina la tête sur sa main et écouta. Et l'âme dit, « Dans une cité que je connais, il y a une auberge au bord d'une rivière. Là, je me suis assis parmi les marins qui buvaient une boisson composée de 2 vins de différentes couleurs et mangeaient du pain d'orge et des petits poissons salés servis dans des feuilles de laurier et du vinaigre. Et tandis que nous étions à nous divertir, entra un vieillard portant un tapis de cuir et un luth qui avait 2 cornes d'ambre. Quand le vieil homme eut déroulé son tapis sur le plancher, il fit vibrer avec une plume les cordes en métal de son luth
et une jeune fille, dont le visage était caché sous un voile, arriva en courant et se mit à danser devant nous. Son visage, ai-je dit, était caché sous un voile de gaze, mais ses pieds étaient nus. Nus étaient ses pieds, et ils se mouvaient sur le tapis comme de petits pigeons blancs. Jamais je n'ai vu un tel spectacle aussi merveilleux. Or, la cité dans laquelle elle dansa n'est qu'à une journée de marche d'ici. Quand le jeune pêcheur eut entendu ces simples paroles de son âme, il se souvint que la petite sirène n'avait point de pied et ne pouvait danser. Sur quoi, un grand désir l'envahit et il se dit en lui-même « Ce n'est qu'à une journée de marche d'ici, et je puis venir très vite rejoindre ma bien-aimée après cela. » Il rit, se mit debout dans le bas-fond et se dirigea vers le rivage. Quand il eut atteint le sable sec de la plage, il rit de nouveau et tendit les bras à son âme. Et son âme jeta un grand cri, courut à sa rencontre et entra en lui. Le jeune pêcheur voyait couché sur le sable devant lui cette ombre de son corps qui était le corps de son âme. Et son âme lui dit « Ne perdons pas de temps à rester ici, partons tout de suite, car les dieux de la mer sont jaloux et ils ont des monstres qui obéissent à leurs ordres. » Ils se hâtèrent donc, et toute la nuit ils voyagèrent sous les rayons de la lune, et tout le jour suivant ils voyagèrent sous les rayons du soleil. Le soir de ce jour, ils arrivèrent à la cité. Et le jeune pêcheur dit à son âme, « Est-ce ici la cité où elle danse, la cité dont tu m'as parlé ?» Et son âme lui dit, « Non, non, c'est une autre. Néanmoins, entrons dans celle-ci. » Et ils entrèrent et ils allèrent par les rues, tandis qu'ils passaient par les rues des joailliers. Le jeune pêcheur vit une belle coupe d'argent à un étalage. Et son âme lui dit, « Prends cette coupe d'argent et cache-la. » Il prit la coupe d'argent et la cacha dans les plis de sa tunique, puis ils s'éloignèrent en toute hâte de la cité. Dès qu'ils furent parvenus à une lieue de la cité, le jeune pêcheur prit un air fâché, jeta la coupe et dit à son âme, « Pourquoi m'as-tu ordonné de prendre cette coupe et de la cacher? C'était mal de faire cela. » Mais son âme lui dit, « Va en paix, va en paix. » Et le soir du second jour, ils arrivèrent à une cité, et le jeune pêcheur dit à son âme, « Est-ce ici la cité où elle danse, la cité dont tu m'as parlé ?» Et son âme lui dit, « Non, non, c'est une autre. Néanmoins, entrons dans celle-ci. » Et ils entrèrent et ils allèrent par les rues, tandis qu'ils passaient dans le quartier des vendeurs de sandales, le jeune pêcheur vit un enfant debout à côté d'une jarre d'eau. Et son âme lui dit, « Frappe, frappe cet enfant. » Et il frappa l'enfant, au point que celui-ci fondit en larmes. Après cela, ils s'éloignèrent en toute hâte de la cité. Et quand ils furent parvenus à une lieue de la cité, le jeune pêcheur se mit en colère et dit à son âme, « Pourquoi m'as-tu ordonné de frapper cet enfant? C'était mal de faire cela. » Mais son âme lui répondit, « Va en paix, va en paix. » Et
Le soir du troisième jour, ils arrivèrent à une cité, et le jeune pêcheur dit à son âme : Est-ce ici la cité où elle danse, la cité dont tu m'as parlé ? Et son âme lui répondit : Il se peut que ce soit cette cité, donc entrons-y. Et ils entrèrent. Et ils allèrent par les rues, mais nulle part le jeune pêcheur ne parvint à découvrir ni la rivière, ni l'auberge qui se trouvait près d'elle, et la foule le considérait avec curiosité. Il prit peur et dit à son âme : Partons d'ici, car la danseuse aux pieds blancs n'y est pas. Mais son âme répondit : Non. Entrons, car la nuit est sombre et il y aura des brigands sur la route. Il s'assit donc sur la place du marché pour se reposer, et quelque temps après arriva un marchand dont la tête était couverte d'un capuchon et qui était vêtu d'un manteau en drap de Tartarie. Il portait une lanterne de corne au bout d'un roseau. Et le marchand dit au pêcheur : Pourquoi es-tu assis sur la place du marché, puisque tu vois que tous les magasins sont fermés et que toutes les marchandises sont empaquetées ? Sur quoi le jeune pêcheur répliqua : Je ne parviens pas à découvrir une auberge dans cette cité, et je n'y ai aucun parent qui puisse me donner l'hospitalité. Ne sommes-nous point tous de la même famille ? Dit le marchand. Eh, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a tous créés ? Viens donc avec moi, car j'ai une chambre d'étranger. Et le jeune pêcheur se leva et suivit le marchand à sa maison. Après qu'il eut passé par un bosquet d'arbres à grenades et qu'il fut entré dans la maison, le marchand apporta au jeune étranger de l'eau de rose dans un plat en cuivre pour qu'il se lavât les mains, ainsi que des melons mûrs, afin qu'il pût étancher sa soif. De plus, il plaça devant lui un bol de riz et un morceau de chevreau rôti. Quand son hôte eut fini de manger et de boire, le marchand le conduisit à la chambre d'étranger et lui souhaita la bonne nuit. Le jeune pêcheur se confondit en remerciements, baisa l'anneau que son bienfaiteur portait au doigt et se jeta sur les tapis en poils de chèvre teint dont le parquet était revêtu. Après s'être étroitement enveloppé dans une couverture de laine d'agneau, il s'endormit. 3 heures avant le lever du jour, et tandis qu'il faisait encore bien sombre, son âme l'éveilla et lui dit : « Lève-toi et va à la chambre du marchand, dans la chambre même où il est endormi. Frappe-le et prends-lui son or, car nous en avons besoin. » Et le jeune pêcheur se leva, se dirigea tout doucement vers la chambre du marchand. Sur les pieds de l'homme, il y avait un glaive courbe, et sur le plateau à côté de lui étaient déposées 9 bourses d'or. Il étendit la main et toucha le glaive, mais en le touchant, il éveilla le marchand, qui sauta à bas de son lit et se saisit lui-même de l'arme, criant au jeune pêcheur : Tu rends donc le mal pour le bien ? Tu veux donc répandre mon sang en récompense de l'intérêt que je t'ai témoigné ? Et son âme dit au pêcheur : Tue-le. Et il frappa jusqu'à ce que le marchand tombât. Il se saisit des 9 bourses d'or, s'enfuit en toute hâte par le bosquet d'arbres à grenades, et tourna son visage vers l'étoile qui est l'étoile du matin. Lorsqu'ils furent à une lieue de la cité, le jeune pêcheur se frappa la poitrine et dit à son âme : «
Pourquoi m'as-tu ordonné de tuer le marchand et de prendre son or? Sûrement, tu es le mal en personne. » Mais son âme répondit, « Va en paix, va en paix. »« Non !» s'écria le jeune pêcheur, « je ne puis aller en paix, car tout ce que tu m'as fait faire me semble odieux. Toi aussi, je t'ai en horreur. Il faut que tu m'expliques pourquoi tu as agi de la sorte avec moi. » Et son âme lui répondit, quand tu m'as fait sortir de toi, quand tu m'as envoyé par le monde, tu ne me donnas point de cœur, et c'est ainsi que j'ai appris ces choses et que je m'en délecte. Que dis-tu là? Mais que dis-tu là? Fit à mi-voix le jeune pêcheur. Tu comprends, répliqua son âme, tu comprends fort bien. As-tu oublié que tu me refusas un cœur? Donc, ne t'inquiète ni de toi ni de moi, mais va en paix, car il n'y a point de douleur dont tu ne puisses te débarrasser, ni de joie dont tu ne puisses jouir. » Et quand le pêcheur entendit ces paroles, il se prit à trembler et dit à son âme, « Oui, tu es vraiment le mal en personne. Tu m'as fait abandonner mon aimé, tu m'as induit en tentation et tu m'as mené dans des voies du péché. » Et son âme lui répondit, « As-tu donc oublié qu'en me détachant de toi et en m'envoyant par le monde, tu me donnas point de cœur? Viens, nous irons dans une autre cité et nous nous amuserons, car nous possédons 9 bourses d'or. » Mais le pêcheur prit les 9 bourses d'or, les jeta par terre et les piétina. « Non ! » s'écria-t-il, « je ne veux plus avoir affaire avec toi. Je ne veux plus t'accompagner nulle part. De même que je t'ai renvoyé autrefois, je te renvoie à présent, car tu as mal agi avec moi. » Et il tourna le dos à la lune, prit le petit couteau dont le manche était en peau de vipère verte, et se mit en mesure de découper à ses pieds cette ombre du corps qui est le corps de l'âme. Et pourtant, l'âme ne fut point détachée de lui. Elle ne fit aucune attention à son commandement, mais elle lui dit, « Le charme que t'a indiqué la sorcière n'agit plus pour toi. Je ne puis plus te quitter. Il te serait impossible de te débarrasser de moi. Une fois dans sa vie, on peut renvoyer son âme. Si on la reprend, on doit la garder à jamais. C'est là le châtiment et la récompense. » Et le pêcheur pâlit. Ses mains se crispèrent et s'écria, « C'était donc une fausse sorcière, puisqu'elle ne m'a point averti. » « Non, 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 répondit son âme, mais elle était fidèle à celui qu'elle adore et qu'elle servira toujours. » Et quand le jeune pêcheur vit qu'il ne pouvait plus se débarrasser de son âme, et que c'était une mauvaise âme qui devait habiter en lui à jamais, il tomba sur le sol, pleurant amèrement. Quand il fit jour, le jeune pêcheur se leva et dit à son âme, « Je lirai mes poings de telle sorte que je ne puisse faire ce que tu ordonneras. Je clouerai mes lèvres de telle sorte que je ne puisse parler comme tu le veux. Je retournerai là où celle que j'aime, à sa demeure. Vers la mer je veux revenir. Je retrouverai la petite baie où elle a coutume de chanter. Je l'appellerai. Je lui confesserai le mal que j'ai fait sous son insidieux conseil. » Et son âme, pour le tenter, lui dit, « Qui est-elle donc, cette bien-aimée,
peau que tu désires si ardemment la revoir. Dans le monde, il est des créatures bien plus belles. Il y a des danseuses à Samarie qui dansent comme les espèces d'oiseaux et d'animaux les plus agiles. Leurs pieds sont un de aînés, et dans leurs mains, elles agitent des clochettes de cuivre. Elles rient en dansant, et leur rire est plus clair que le rire de l'eau. Viens avec moi, je te les montrerai. Pourquoi t'inquiéter de ce que tu crois être le péché? Ce qui est bon à manger n'est-il pas fait pour le manger? Y a-t-il du poison dans ce qui est doux à boire? Ne t'inquiète pas, mais viens avec moi vers une autre cité. Il y en a une petite tout près d'ici, où se trouvent des jardins plantés de tulipes. Et dans un de ces beaux jardins, tu verras des paons blanches et des paons qui ont des poitrines bleues. Leur queue, lorsqu'elles sont étalées au soleil, ressemblent à des plats d'ivoire ou d'or, et celle qui les nourrit danse pour leur plaisir, parfois sur ses mains, parfois sur ses pieds. Ses yeux sont teints d'antimoine, et ses narines sont fines comme des ailes d'hirondelle. À l'une de ses mains est suspendue une fleur creusée dans une perle. Elle rit tandis qu'elle danse, et les bracelets qu'elle porte à ses chevilles tintent comme des sonnailles d'argent. Ne t'alarme plus, viens avec moi dans cette cité. Mais le pêcheur ne répondit pas à son âme. Il ferma les lèvres avec le sceau du silence. Avec une corde serrée, il lia ses mains et s'en retourna d'où il était venu, à cette même petite baie où sa bien-aimée avait coutume de chanter. Et toujours son âme essayait de le tenter en chemin, mais il ne répondait pas, ne voulant plus se laisser aller à aucune des mauvaises actions qu'elle lui conseillait. Si grande était la puissance de l'amour qui brûlait en lui. Puis, quand il fut arrivé sur le rivage de la mer, il délia la corde qui serrait ses mains, il enleva le sceau du silence à ses lèvres et appela la petite sirène. Mais elle n'arriva point à son appel, bien que, tout le long du jour, il l'implora de venir. Et son âme se moquait de lui, disant « Vraiment, quel bonheur est celui d'aimer! Tu ressembles à un homme qui, par un temps de disette, verserait de l'eau dans une cruche brisée. Tu délaisses ce que tu as, et rien ne t'est donné en retour. Il vaudrait mieux pour toi de m'accompagner, car je sais où se trouve la vallée du plaisir en ce qui s'y passe. » Mais le jeune pêcheur se garda de répondre à tout. Dans une fente de rocher, il se construisit une hutte de branchages entrelacés et y vécut tout l'espace d'une année. Et chaque matin, il appelait la sirène. Et au milieu du jour aussi, il l'appelait. Et puis le soir, son nom résonnait encore sur ses lèvres. Pourtant, elle ne venait point de la mer à sa rencontre. Nulle part, il ne l'apercevait. Bien qu'il explorât toutes les grottes, les flots verts, aussi bien que les petites flaques d'eau laissées par la marée, les sources qui sont tout au fond de la mer profonde. Et toujours, son âme le tentait, lui conseillait le mal, lui murmurant à l'oreille des choses horribles. Pourtant, elle ne parvenait pas à triompher de lui, si grande était la force de son amour. Après que l'année se fut écoulée, l'âme se dit « J'ai tenté mon maître en lui conseillant le mal et son amour a été plus fort que moi. Je vais le tenter autrement
en lui conseillant de faire le bien, et il se peut qu'il veuille alors venir avec moi. » Donc, elle s'adressa au jeune pêcheur et lui dit: « Je t'ai décrit toutes les joies du monde et tu es resté sourd à ma voix. Permets que je t'en décrive maintenant les souffrances, et il se pourra que tu veuilles m'écouter. Car, en vérité, la douleur est la reine de ce monde, et nul être n'échappe à ses filets. Il y a des hommes qui manquent de vêtements, d'autres de pain. Il y a des veuves qui portent la pourpre, il y en a qui sont en haillons. Au hasard, dans les marais, circulent les lépreux, et ils sont cruels les uns pour les autres. Les mendiants s'en vont par la route, et leurs besaces sont vides. Par les rues des cités vagues, la famine et la peste est assise à leurs portes. Viens, nous irons adoucir toutes ces souffrances, nous ferons en sorte qu'elles n'existent plus. Pourquoi rester ici, appelant ta bien-aimée, puisque tu vois qu'elle ne répond pas à ton appel? Et qu'est-ce donc l'amour pour que tu le places si haut ?» Mais le jeune pêcheur ne sortit pas de son silence noir, si grande était la force de son amour. Et chaque matin, il appelait la sirène. Au milieu de chaque jour, il l'appelait de nouveau, et le soir, son nom résonnait encore sur ses lèvres. Pourtant, elle ne se levait pas de la mer pour venir à sa rencontre, et nulle part il ne la découvrait, quoiqu'il cherchât dans les fleuves de la mer, dans les vallées qui sont au-dessous des vagues, dans les flots que la nuit fait pourpre, dans les flots que l'aube laisse gris. Et après que la deuxième année fut écoulée, l'âme dit vers le soir au jeune pêcheur, tandis qu'il se trouvait tout seul dans sa hutte: « Voyons, je t'ai tenté avec le mal. Après cela, je t'ai tenté avec le bien. Mais ton amour est plus fort que moi. C'est pourquoi je ne tenterai pas plus longtemps. Mais je t'en prie, souffre que j'entre dans ton cœur, de sorte que je ne fasse plus qu'un avec toi comme autrefois. » « Certainement, tu ne le peux, » dit le pêcheur, « car pendant tous ces jours que, sans un cœur, tu parcourus le monde, tu dois avoir beaucoup souffert. »« Hélas !» s'écria l'âme, « hélas ! Je ne puis trouver aucune entrée pour pénétrer en toi, tellement ton cœur est envahi par l'amour. » « Et pourtant, je voudrais pouvoir t'aider, » fit le jeune pêcheur. Tandis qu'il parlait, arriva de la mer un grand cri douloureux, comme celui que les hommes entendent quand un enfant de la mer est mort. Et le pêcheur bondit hors de sa hutte et courut au rivage. Les lames noires se précipitaient vers la plage, portant avec elles quelque chose qui était plus brillant que l'argent, tout blanc comme l'écume du flot, et comme une fleur, cela flottait sur les vagues. Le ressac enleva cette chose aux vagues, et l'écume la prit au ressac pour la jeter au rivage. Et le pêcheur vit, gisant à ses pieds, le corps de la petite sirène. Morte, elle gisait à ses pieds. Tout en larmes, comme un malheureux que la douleur accable, il se précipita sur elle, baisa la froide rougeur de ses lèvres et caressa l'ambre humide de sa chevelure. Il se jeta auprès de la morte sur le sable, pleurant comme un désolé que la joie fait vibrer, et ses bras, hâlés, la prirent contre sa poitrine. Humides étaient ses lèvres, et il mit un baiser sur elle, salé
était le miel de sa chevelure, mais il le goûta avec une amertume bienheureuse. Il baisa les paupières fermées et le parfum libre et sauvage tenu en ses coupelles bleuies était moins salé que ses larmes. Devant cette pauvre petite chose morte, il fit son acte de contrition. Dans les coquilles de ses oreilles, il répandit le vin âpre de son récit. Il attacha ses petites mains à son cou et ses doigts à lui caressaient sa gorge sans vie. Amère, amère était sa joie exaltée et pleine d'étrange allégresse était sa souffrance. La sombre mer allait et venait sans cesse. Et la blanche écume des flots se lamentait comme la voix d'un lépreux. De plus en plus, la mer s'étirait sur le rivage. Du palais du roi de la mer vinrent de grands cris de deuil, et au loin, sur les flots, les massifs tritons soufflèrent de rauques appels dans leurs conques. Fuis ! Dit au pêcheur son âme. Car de plus en plus la mer monte, et si tu tardes encore, elle va t'anéantir. Fuis, j'ai peur pour toi, car je vois que de nouveau ton cœur est fermé au conseil de ma raison par la puissance de ton amour. Fuis, va te mettre en sûreté, car vraiment, tu ne m'enverras plus sans cœur dans un autre monde. Mais le jeune pêcheur n'écoutait plus son âme. S'adressant à la seule petite sirène, il disait « L'amour est plus haut que la sagesse, plus précieux que la richesse, plus beau que ne le sont les filles des hommes. Le feu est impuissant à le détruire, l'eau ne peut l'étancher. Je t'appelais à l'aube de chaque jour, et tu n'as pas répondu à mon appel. La lune entendit résonner ton nom, et pourtant tu ne faisais pas attention à mes cris. Par malheur, je t'avais abandonné. Par fatalité, je m'en étais allé voyager. Et cependant, toujours ton souvenir aimé habitait en moi. Toujours il subsistait aussi fort, rien ne l'avait diminué, quoique j'eusse contemplé le mal et quoique j'eusse aussi contemplé le bien. Et maintenant que tu es morte, sûrement, je m'en vais mourir aussi. » Son âme, toujours plus fort, le suppliait de fuir, mais lui ne voulait pas, si grand était son amour. La mer approchait, se hâtait, tentant de la couvrir de ses vagues. Voyant que sa fin était proche, il pressa de baisers fous les lèvres mortes de la sirène, si bien qu'à bout d'effort, le cœur qui était en lui se rompit. Sous la force impuissante de l'amour, se rompit le cœur. L'âme, trouvant une issue libre, entra et s'unit à lui, ainsi que jadis. Et la mer, bruissante, couvrit d'eau le jeune pêcheur. Un matin, un prieur vint pour bénir la mer qui, la veille, avait apeuré les environs. Avec lui s'avançaient des moines et des chantres, des porte-cierges et des balanceurs d'encensoirs, et une grande foule les accompagnait. Quand le prieur descendit sur le rivage, il aperçut le jeune pêcheur couché dans le ressac, étreignant contre lui le corps de la petite sirène. Lors, il se recula avec un air irrité et,
non sans avoir fait le signe de la croix, s'écria « Je ne bénirai point la mer, ni rien de ce qu'elle porte. Maudit soit le peuple des flots, maudit soit tous ceux qui ont commercé avec lui. Et quant à celui qui, pour son amante, oublia le respect de Dieu, et que nous trouvons ici avec sa concubine, frappée par la colère du ciel, emportez son cadavre, emportez aussi celui de sa méprisable compagne, et enfouissez-les dans les coins des retrouvés, sans placer la moindre croix sur leur tombe, ni aucun signe de telle sorte qu'on ne puisse savoir où ils gisent en terre, car, maudits pendant leur vie, maudits ils resteront dans la mort. » Et la foule agit comme on lui donnait l'ordre. Dans le coin des réprouvés, on ne croit point d'herbe douce. On creusa une fosse profonde et on y jeta ces choses mortes. Après que la troisième année fut écoulée, un jour, qui était celui d'une fête consacrée, le prieur se rendit à la chapelle pour montrer au peuple les blessures du Seigneur et lui parler de la colère divine. Et comme, ayant revêtu ses habits sacerdotaux, il était entré dans le chœur et s'inclinait devant l'autel, il vit que cet autel était couvert de fleurs étranges qui lui étaient bien inconnues. Étranges, ces fleurs, et d'une curieuse beauté qui le troublait à l'extrême. Leur parfum semblait doux à la fois et dangereux à ses narines. Il sentait de la joie plein son cœur, sans comprendre d'où elle venait. Et tandis qu'après avoir ouvert le tabernacle et encensé le ciboire, il bénissait l'assistance et renfermait les saintes espèces, un grand bouleversement s'opérait en lui. L'esprit du sermon qu'il devait faire changeait contre son vouloir. Il commença bien à prendre pour thème le courroux du Seigneur, mais la blancheur des fleurs modifiait ses idées. Leur parfum inspirait différemment son discours. D'autres paroles sortirent de ses lèvres, non plus pour évoquer la colère divine, mais pour célébrer en Dieu tout ce qui est amour. Pourquoi il parlait ainsi? Il n'en savait rien. Quand il eut fini, la foule, bel et bien, pleurait. Le prieur, lui aussi, regagna la sacristie, les yeux remplis de larmes. Les doyens entrèrent, le dévêtirent de l'aube et lui enlevèrent la ceinture, le manipule et l'étole. Il se prêtait machinalement à leurs fonctions et comme perdu en rêve. Quand ils eurent fini, il les considéra longuement et leur dit « Quelles sont donc ces fleurs qui ornent l'autel et d'où viennent-elles » Ils répondirent « Quelles fleurs ce sont ? Il nous est impossible de le dire, mais elles viennent du champ des réprouvés. » Là-dessus, le prieur se prit à trembler, retourna chez lui et se mit en prière. Au matin, quand il fut à peine jour, il sortit avec ses moines et ses chantres, avec les porteurs de cierges et les balanceurs d'encensoirs, et une grande foule qui s'était réunie. On arriva sur la plage. Là, le prieur bénit la mer et toute la vie sauvage et libre qui est en elle. Les faunes aussi, il les bénit, et avec eux, les petits follets qui dansent dans les forêts et les créatures aux yeux brillants qui observent à travers les feuillages des arbres toutes les choses qui vivent dans le monde créé par Dieu. Dans cette ambiance pleine de bénignité, la foule se tenait ravie de joie et comme en extase. Et depuis,
Plus jamais dans le pitoyable coin des réprouvés ne fleurirent fleurs d'aucune sorte. Le champ resta nu et désolé comme autrefois. Plus jamais les étranges gens de la mer n'intervinrent dans la baie comme jadis. Ils avaient tous émigré vers une autre contrée de l'Empire des Vagues.